Dutheil. Bonjour Patrick. C'est un grand jour, je veux dire, un jour plein de soleil, plein d'oxygène. On vous revoit, enfin. Chaque fois que je vous vois, c'est ce que je vous dis, mais c'est vrai, vous nous avez beaucoup manqué. Vous avez, je suppose, passé convenablement cette période de crise sanitaire. À vous voir, vous avez l'air en pleine forme. C'est vrai, vous allez bien ? Oui, très bien. Rassurez-vous. Bah, on a essayé de traverser cette période de façon active, pas en subissant uniquement, mais aussi en agissant, en essayant de créer, de continuer à imaginer la suite, la sortie, en se disant que là, on n'était pas forcément en train de vivre une crise dont on allait ensuite sortir et que ça allait redevenir comme avant. Je pense que plus rien ne sera comme avant après cette crise-là, qui était une sorte de tempête d'immobilité, où on était empêché d'agir, en fait, empêché de sortir, empêché... Mais en même temps, notre sort n'était pas aussi pénible que celui de certains qui sont partis, d'autres qui ont perdu des êtres chers, certains qui restent avec des séquelles. Je crois que on est pas mal lotis finalement. Moi je m'en sors, on s'en sort et c'est bien. Alors on va dire que vous avez mis cette période de pseudo-liberté ou de pseudo-emprisonnement pour vous atteler à la rédaction de votre livre « Chemin de liberté ». Alors, c'est un livre, c'est une biographie, mais je devrais peut-être mettre le mot biographie au pluriel, parce que ce livre, c'est le vôtre, c'est aussi celle de votre vie, c'est-à-dire Noël. Je n'emploierai plus l'expression « mon épouse », parce que je vous ai regardé ce matin sur une chaîne amie, et... Vous avez très bien expliqué la chose, c'est votre vie, Noël. Elle est là-dedans, c'est un vrai livre d'amour. Et ce livre, je voudrais savoir, quel type d'auteur êtes-vous ? Parce que, bon, on vous imagine bien composant vos chansons, soit au piano, à la guitare, avec vos crayons, vos partitions. Mais Yves Dutheil, écrivain, comment ça se passe ? Je suis très intuitif, en fait, dans l'écriture. C'est-à-dire que je me lève le matin très tôt, sur l'exemple de Brassens, dont j'ai appris qu'il était très matinal dans sa création aussi. Et je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais, ni ce que je vais écrire. Je laisse ce sas de silence se faire en moi. J'ai appris avec l'expérience que le silence était l'écrin de la création. Et donc je laisse venir. Mais en même temps, je travaille beaucoup l'écriture dans l'esprit de l'écriture du livre. Parce que c'est de la prose, mais ce n'est pas pour autant dénué de poésie. Et je pense qu'on a moins de contraintes parce qu'on n'a pas la rythmique musicale, parce qu'on n'a pas la versification. Mais le choix du mot reste. La beauté de la phrase, la rythmique de la phrase, elle aussi. Une phrase écrite, elle chante aussi à sa manière. Donc je suis assez proche de l'écriture des chansons, avec un degré de liberté plus affûté, parce que je n'ai pas cette contrainte de la versification ni celle de la rythmique de la musique. On en revient toujours à la langue de chez nous. Oui, alors c'est une langue extraordinaire, elle a des super pouvoirs cette langue, elle est capable d'exprimer des nuances très subtiles du sentiment, de l'émotion, de l'immatériel. Je dirais que c'est la langue de l'immatériel. On a une langue anglaise qui est très propice à la technologie, à la technique, en matière d'aviation. Tous les pilotes parlent anglais parce que ça va plus vite et que c'est une langue universelle pour qu'on parle tous de la même chose dans le ciel, à l'approche des aéroports. C'est quand même très important de pouvoir tous se comprendre. Donc il faut une langue commune. Mais le français, il a ce pouvoir de générer l'image extrêmement précise, à la nuance près, avec la lumière que vous mettez dans vos mots et l'éclairage du crépuscule ou de l'aurore, du contre-jour ou du clair-obscur. On est dans la nuance totale. Et cette richesse, en fait, je l'ai découverte grâce à ma maman qui m'a appris en même temps l'anglais et le français. Et donc, j'ai pu comparer et j'ai pu ne pas considérer cette appropriation du français comme une lutte contre quelque chose, contre l'anglais, par exemple. Je ne suis pas contre l'anglais parce que je parle anglais. Et que j'ai écrit mes premières chansons en anglais, que j'ai chanté les Beatles, les Blood, Sweat and Tears, les Chicago Transit, les Stones. J'ai chanté tout ça par bonheur. Et les premières chansons brésiliennes que j'ai chantées, c'était
celle où chantait Astrud Gilberto, accompagné par le saxophone de Stan Getz, elle chantait en anglais. Donc, pour moi, ce n'est pas une lutte contre l'anglais. C'est un complément d'objet direct sur une langue qui parle au cœur et avec des mots de la spiritualité. Vous parlez de belles rencontres que vous avez faites dans votre vie, et Dieu sait si vous en avez fait beaucoup. Donc toutes ces personnes-là, quelque part, vous ont apporté quelque chose d'important qui vous ont permis de grandir. Mais Yves, avez-vous déjà pensé à ce que vous, vous leur avez apporté? J'y pense pas trop, parce que je pense que ça, c'est du domaine du subjectif et c'est du domaine de ceux à qui ça apporte quelque chose. Pas toujours les mêmes, pas les mêmes choses à des gens différents. Quand on transmet quelque chose, on n'est pas forcément conscient de ce que l'on transmet. C'est celui qui reçoit, qui garde ce qu'il veut, en fait. Quand j'ai vu arriver mon petit-fils, je me disais, ça va être super, je vais lui apprendre plein de trucs. Puis en réalité, je vois qu'il me regarde et qu'il prend ce qu'il veut. Et donc, je suis plus convaincu de la vertu de l'exemple que de celle de la parole dans ce domaine-là. J'aurais été loin de me douter que j'allais peut-être nourrir d'une certaine manière une génération d'auteurs-compositeurs qui ont peut-être commencé par écouter mes chansons. Mais ils me le disent. Alors voilà, je suis bien obligé de le constater et de m'en réjouir. Mais je n'ai rien fait pour ça, en fait. Je ne me suis pas dit « je vais transmettre à toute une génération d'auteurs-compositeurs un savoir-faire extraordinaire que je vais avoir concocté dans mon fort intérieur ». Non, pas du tout. En fait, je suis beaucoup plus modeste que ça au niveau de ce que je crois qui reste de nous. Je crois que ce qui reste de nous, c'est plutôt le regard qu'on porte sur les autres. Et cette bienveillance, cette douceur que j'ai choisi d'incarner aussi à travers mes chansons et à travers ma façon d'être dans la vie, j'ai plus l'impression que c'est ça qui se transmet et que, au hasard de l'inspiration, chacun cueille un peu ce qu'il veut dans cette moisson-là. Je voudrais bien revenir un petit peu en arrière, parce que j'ai lu, c'est une interview que vous aviez accordée, je pense que c'était à un journal français, quand vous parliez de votre maman, vous parliez de parfum d'absence. Alors ça m'a un petit peu touché, cette histoire-là, parce que je vous ai entendu parler de vos parents, un papa qui était un petit peu lointain, un peu éloigné, j'ai envie de dire, dans ses sentiments en tout cas, votre maman, parfum d'absence. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché sans vouloir entrer dans votre vie profonde, bien entendu. Mais ça m'a beaucoup touché. Ma maman a pris sa retraite, comme beaucoup de gens, vers 60 ans, a quitté la bijouterie familiale, et là elle est tombée malade. Et elle a été victime d'un cancer et elle a été opérée et elle ne s'est pas réveillée. Et en fait, je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout de cette relation très tendre que j'avais avec ma mère, mais qui faisait qu'on ne se parlait pas forcément. Donc, je n'ai jamais eu avec ma mère des échanges que j'aurais pu imaginer avoir si j'avais su qu'elle allait disparaître si tôt. Donc, je suis resté sur beaucoup de non-dits. Je ne sais même pas si ma mère était croyante. Je ne sais pas si elle a eu une spiritualité, une vie. Je sais qu'elle a eu une vie culturelle très intense parce qu'elle savait tout. Elle avait une culture générale qui me stupéfiait. C'est-à-dire qu'à la télévision, dans les jeux télévisés, comme aujourd'hui, question pour un champion ou des choses comme ça, elle répondait à tout. Elle était stupéfiante. Elle était championne de mots croisés. Mais du coup, je connais sa richesse culturelle, mais je ne sais rien d'autre. Et je n'ai pas pu poser les questions, je n'ai pas pu avoir ces discussions qui font que la conscience s'éveille à un moment de l'adolescence vers l'âge adulte et qu'on commence à penser aux questions existentielles, des choses qu'on se demande un peu par rapport à notre propre vie, en interrogeant ceux qui nous ont précédés, en leur disant « bon, ça se passe comment? Pour toi, c'est quoi ?» Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as des références philosophiques? On n'a pas eu cet échange-là et je reste sur des questions. Et en fait, j'essaie de lui parler dans ma tête. J'essaie de l'appeler. Et parfois, j'ai le sentiment qu'elle me répond. Mais c'est quelque chose de très intime. On ne peut pas vendre ça aux autres, c'est-à-dire penser qu'ils vont vous croire. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Le sentiment qu'on a tous à l'intérieur de nous des petites voix qui nous parlent.
en silence, un petit murmure qui n'émerge que du silence que l'on essaye de faire au fond de soi. Je suis très respectueux de cette forme de silence parce que c'est le berceau de l'inspiration. C'est un livre, il était édité aux éditions L'Archipel, ça s'appelle Chemin de liberté. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux que la liberté totale finalement? C'est peut-être un hasard que ça s'appelle les éditions L'Archipel, mais je trouve ça tout à fait fabuleux. Chacun est un peu une île, mais on oublie qu'on fait partie d'un ensemble aussi, d'un continent, peut-être d'un archipel ou d'un groupe, d'un pays, d'une langue, d'une culture. On est tous issus de quelque chose. Et même si on est chacun une île pour celui d'en face, cet isolement, il est extrêmement relatif. Parce que si on se coupe des autres, on ne peut pas survivre. Tous ceux qui vivent sur une île savent que le temps n'est pas le même, chacun dans son île, mais qu'on a besoin de ces passeurs qui nous font traverser les bras de mer, qui nous font nous jeter dans les bras d'une mer, quelle qu'elle soit, et qui fait qu'au fond, on est tous reliés par la sauvegarde de l'autre, et on vit tous sous la sauvegarde de tout le monde. Donc ça m'a toujours frappé de penser que la douceur est une force, que dans ce monde dont je suis parfaitement conscient de la cruauté, de la violence, de la douleur, de la souffrance, de la mort, du deuil, de la guerre, de l'horreur parfois, de ce que l'humanité est capable de fournir de pire ou de meilleur, la douceur est un remède, c'est une consolation. C'est une force intime qui vous donne en fait l'énergie pour faire face à tout ce que la vie nous propose de difficile, nous impose de cruel. Le deuil, la mort, la perte d'être cher, les épreuves. Alors oui, dans ce cas-là, la douceur a une importance capitale. Et j'ai décidé en fait d'être du côté de la douceur plutôt que du côté de la cruauté ou du cynisme. C'est un choix. Je suis rebelle, très sincèrement rebelle, résistant, parce que la tendance de notre époque n'est pas à la douceur, et qu'aujourd'hui, être doux, ça implique d'avoir à l'affirmer, à le confirmer, et sans avoir le sentiment de devoir s'en défendre. Alors, il y a le livre, mais il y a aussi 4 CD qui viennent de sortir. Sorti une version pour la Belgique et une version pour la France. Donc pour la France, il y a 75 chansons. En Belgique, il y en a 75. Voilà, on va dire ça comme ça. On parlera pas football aujourd'hui, si non, vous le permettez. Nous n'allons pas évoquer des mauvais souvenirs très récents. Non, merci. Merci de respecter notre douleur. Ils ont très bien joué. Et dans toutes ces chansons, il y en a 16 qui ont été, allez, on va dire, retravaillées, réenregistrées en studio. C'était une volonté profonde aussi, ça. Tout s'est passé un peu par hasard. En fait, en relisant le livre juste avant de l'envoyer en impression, on a, avec Noël, constaté avec un peu plus de stupeur que ce que j'avais voulu mettre dans le livre, que chaque page fait émerger une chanson. Parce que notre vie, c'est une succession d'engagements, une succession de rencontres, une succession d'événements importants, d'émotions fortes. On rencontre Folon, il y a une chanson sur lui qui s'appelle le trésor de l'arc-en-ciel, qui est fondée sur le petit crayon multicolore qu'il avait quand il signait des affiches et qui faisait une écriture arc-en-ciel incroyable. Et donc, il y avait un trésor au pied de cet arc-en-ciel-là et c'était de l'avoir rencontré. C'est vrai aussi que chaque chanson a son histoire. Prendre un enfant qui devient la chanson des Marches Blanches, pour les enfants du monde entier qui défend les enfants contre la maltraitance, la langue de chez nous après la rencontre avec Félix Leclerc, la tibétaine après la prise de position sur la liberté du peuple tibétain, la légende des arbres après un combat pour la survie de la forêt, avec les gens de mon village après 25 ans de mairie au contact du public et de se rendre compte que je suis devenu un homme de dossier et que finalement ça m'a plu. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, il y a une chanson à chaque fois. On l'a volontairement un peu gommée du livre. Je l'ai gommée et avec la vie de Noël aussi, parce qu'on ne voulait pas interrompre le cours du récit par des citations versifiées. J'étais dans la prose, je suis resté dans la prose. Mais à chaque fois, il y a une chanson qui est là, quoi. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas la bande originale
du livre, c'est-à-dire les chansons du livre. Et le projet est né à la fin de la rédaction du livre, au moment où on l'a envoyé en impression. Vous voyez que c'est très tard. Et on a embarqué avec Archipel, qui est l'éditeur du livre, Bayard, qui est l'éditeur, le distributeur du disque, dans une aventure de création qui est totalement inédite. On n'a jamais fait ça. Un livre et un coffret de 75 chansons qui portent le même titre, mais dont l'un est le complément de l'autre, on a inventé quelque chose, un peu, d'une certaine manière. Et le fait de le construire, de le bâtir, et que ça sorte en même temps, là aussi, c'était un exploit de la part de tous les gens qui se sont coalisés pour arriver à la réalisation. Donc et on s'est dit, on ne veut pas que ce soit comme une compilation. Ce n'est pas une compilation, ce coffret. Et pour ça, on a donc enregistré des nouvelles versions de certaines chansons, mixé des versions publiques d'autres qui étaient inédites. Et donc, on a 16 inédits au milieu de ces 75 chansons. Donc, ce n'est pas une compilation. C'est vraiment le fil de l'histoire par ordre d'entrée en page. On n'a pas cherché à mettre un ordre chronologique dans le déroulement des chansons sur les 4 CD. C'est simplement le moment où elles apparaissent dans le récit. Vous allez devoir regagner Paris, on va encore vous perdre pour une fois. Je voudrais simplement dire que finalement, on n'est riche que de ses amis et j'ajouterai de ses rencontres. Alors Yves, merci de nous avoir rendus millionnaires d'un jour. Merci, bah écoutez, je vais vous dire une chose. Quand on va quelque part, on dit gagner un lieu. Oui. Je viens de gagner la Belgique. Merci beaucoup pour tout ça. À très vite et prenez bien soin de vous. Oui, vous aussi, merci. Alors voilà, mes chers amis, c'est un livre qu'on ne saurait trop vous conseiller. D'abord parce que c'est un très grand monsieur qui l'a écrit, Yves Duteil, bien sûr. Chemin de liberté, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Et les 4 CD qu'il a produits aussi, ben vous le trouverez chez votre disquaire habituel, sauf que des disquaires, il y en a de moins en moins. Hein. Ok, à bientôt.